Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va partir en PVP avec la carte tag Cyborg LF C17, C18. Comme vous pouvez le constater sur mon écran, cette carte est à 6 étoiles dans ma box. Donc voilà, j'avais envie de me faire kiffer, j'avais envie de jouer cette carte. Ça va être chose faite. Juste avant cela, je tenais à vous repréciser que demain, ce mardi 12 juillet, je serai en live sur ma chaîne YouTube à partir de 15h pour qu'on puisse découvrir ensemble le reveal and stuff de la partie 3 de l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends. Il se pourrait qu'on ait un nouvel ultra qui fasse son apparition et j'espère également qu'on aura du contenu supplémentaire sur le jeu. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications, c'est demain, ce mardi 12 juillet. En revanche, je tenais également à faire une petite parenthèse. Quel est le perso le plus fort du jeu de Dragon Ball Legends selon vous? J'aimerais également avoir votre avis et n'hésitez pas justement à le dire dans l'espace commentaire. Moi, en toute objectivité les amis, je pense qu'il s'agit du tag C17, C18. Et là, j'ai voulu faire cette team pour vraiment vous montrer, sans Cap Z Zenkai, donc là, il n'y a pas de Cap Z Zenkai pour le tag Cyborg, et il n'est même pas dans sa team la plus optimisée, d'accord, il n'est pas dans une team Cyborg ou quoi, eh bien, je vais essayer de faire des games pour vous montrer justement la force pure de cette carte. On a également le Goku SSJ3 Ryuken que je trouve vraiment très fort. Et puis bah, je vais partir aussi avec la carte que je kiffe, le Goku Blue Tag Vegeta Blue. Le Goku SSJ3 pour la Cap Z Zenkai du Ryuken. Et les deux autres justement, le Vegeta et le Goku SSJ3 pour la Cap Z Zenkai du Tag Goku Blue Vegeta Blue. Mais aucune Cap Z Zenkai pour le Tag Cyborg. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Max de pouces bleus les amis. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Abonne-toi aussi à la chaîne. Ce pas déjà fait, on est parti. Ok, on a du Migaté en face de nous à 10 étoiles. Bon, on va prendre ces 3 là, ça va être chaud, faut faire quand même attention parce qu'il a quand même 10 étoiles le Migaté, il a le nouveau Vegeta à 11 étoiles. Ça va être costaud, mais c'est là où ça va être intéressant. Ouais, voilà, bon, il a pris ça. Également le Goku violet free to play qui est vraiment excellent. Et bah, let's go, on va commencer avec une game assez intéressante, du moins, je l'espère. On est parti, les amis. Allez. On se concentre. Ok, ça, ça passe. Voilà. Le Migaté, donc là, faut faire attention. Hein. Parce que s'il me touche après, je vais ramasser. Ok. Très bien. Il va me faire sa spé. Et sa spé qui fait très très mal. Hein. Franchement, incroyable. Ok, le Vegeta. Ça, c'est bien. Ça devrait lui faire mal, là. Hush! Voilà. Tiens, ramasse tes chicots. Voilà, ça c'est fait. Ok. Tu danses. Tu danses, nous dansons. Ok, il a mis le Goku. C'est pas fait avoir. Parfait ça. On a bien tempo là-dessus. Le tag. Voilà. Il a remis le Migaté. Forcément. Allez, allez, on se concentre un peu. Voilà, c'est pas grave, j'enlève l'esquive, hein. J'ai pas... Oh, ah, par contre, là, ce qui m'a enlevé... Ouh. Ok. Donc là, le tag. Voilà, ce qui est intéressant, c'est le switch. Dommage, parce que là, j'aurais bien, bien arraché son Vegeta avec le switch. Bon, là, on va Rising Rush. Parce que en fait, quand on switch sur C18, avec le tag, justement, Cyborg, incroyable les dégâts sur du bleu. C'est incroyable. Donc là, c'est bon, ça passe. Le Goku, cuisine. Allez, la tartine de Nutella. Et puis, ça va le faire. Ça va le faire. Donc là, déjà, un en moins. Faut faire attention, il a encore son Rising Rush, lui aussi. Le tag, quand même, qui a fait plaisir. Le petit switch sur la C18, tout ça. Après, le petit Rising Rush, voilà. Ok, petit tackle qui est passé. Très bien. Donc là, faut faire attention. Ok. Et Rising Rush. Voilà. Bon, bah, c'est normal. Hein. J'ai Rising Rush. Il y a eu de Rising Rush. Est-ce qu'on peut avoir un peu de chance? On peut te contrer, mon ami? On peut te contrer? Non, bah non, non. Nous, on peut pas. Nous, on peut pas avoir un petit peu de chance histoire de se mettre vraiment bien dans la game. Nous, non. Nous, certaines personnes arrivent à nous contrer, mais nous, on peut pas. Allez, c'est pas grave. Vas-y. On est toujours en 2v2 là. Donc là, attention, il a fait le main. Voilà, ça c'est bien ça. Voilà ma petite C18. Voilà, voilà. Parfait ça.
Parfait, parfait. Voilà. Ish. Et l'aspect. Vous voyez le tag là? Le tag cyborg. Incroyable. Incroyable. Fais voir les dégâts. Et regardez le combo sur le Migaté 10 étoiles. Hein. Les 3 quarts de la vie qui ont foutu le camp. Enfin, foutu le camp. Hop, let's go. Alors attention. J'essaie quand même de me concentrer. C'est pas évident de jouer et parler en même temps, les amis. Hein. Allez là. Ok. C'est bon? Au bout d'un moment, tu peux arrêter de taper un petit peu? Ok. Bon, le SSJ3 qui a bien tanké là-dessus. Hein. Ok, ça c'est parfait ça. Voilà, parfait ça. Les petites feintes, voilà. Comme il reste un peu fond de map, je suis obligé d'aller le chercher. Voilà. Bon bah là, j'ai pas mal de blasts. Après, on va pouvoir re-switcher. Voilà, et là maintenant, elle va faire mal. Par contre, j'ai du mal là, il y a un peu de lag. Oh, ouais, voilà. C'est bien ce que je disais, il y avait des lags, vous le voyez? Voilà, je disais le charge step, voilà. Ah, c'est pas possible, franchement c'est pas possible. Et voilà. Bon voilà, je sais pas ce qu'il a voulu faire à la fin, hein. Il a voulu essayer de feinter, puis du coup il a foutu le camp. Allez, va ramasser ta biscotte, frérot. Je sais pas ce que t'as essayé de faire à la fin, là. T'as perdu. Point barre. Donc, bon, j'aurais bien voulu faire un petit LF, mais du coup, il m'en a pas laissé l'occasion. Et encore un Migaté bien étoilé. Et bah, décidément, on les enchaîne. Et bah, ramène-toi. On va te montrer, nous, ce qu'on fait. Je vais prendre une déculottée, je vais moins rigoler. Ok. Migaté, le tag, et Gogeta Ultra. Également, à 10 étoiles, le Gogeta Ultra. C'est costaud en face aussi. Franchement, c'est costaud aussi en face. Et bah, let's go. Hein. Let's go. On va voir ce que ça va donner. Après ça, franchement, avec le tag cyborg, je suis quand même serein. Allez. Ok, bon. Il attend fond de map. Très bien. Parfait ça. Allez. Voilà. Parfait ça. C'est fait avoir. Je savais qu'il allait mettre le Gogeta. Donc, du coup, c'est vraiment pas mal. Voilà. Le tag. Ish. Parfait ça. Ish. Oh le tag. Oh là 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 là. Dommage que j'ai plus de cartes parce que là sinon il partait loin. Il partait sur Namek le monsieur. Allez hop. Oh. Putain par contre ça fait trop mal. Le Migaté bien étoilé franchement. Je ramasse quand même pas mal. Hein. Ah, voilà, je le ramasse encore. Ok. Parfait ça. Allez, fais du mal. C'est correct, c'est très très correct. Parfait ça aussi. Voilà. Je me pose même pas de questions, je vais Rising Rush. Ok, mets ça si tu veux. C'est pas notre problème, tu peux mettre ton tag si tu veux. On va te l'envoyer jouer chez le cirque Pinder. Non. Voilà. Ferme ta bouche des fois, Soso. Ferme-la bien. Voilà. Allez. Voilà. Allez, tu vas au cirque. Ah, bon, bah ça, par contre, ça, je peux rien faire. Je suis lock. Mais voilà. On a envoyé les deux persos au cirque. On est en 3v1. C'est quand même pas mal, là. Ah, purée. L'ultime, forcément. Je l'avais oublié, celle-là. C'est pas grave. Oh, mais il m'a tué. Ah ouais, quand même. Ok, par contre, là, mon coco, t'es mort. Là, t'es mort. Là, C18, regardez le tag. Hein. Je rappelle, il n'y a pas de cap Zenkai. Voilà. Emballé, c'est pesé. Merci, au revoir. Il n'y a pas de cap Zenkai sur ce tag. D'accord. Et il est à 6 étoiles. On parle pas de 14 étoiles ou quoi. Voyez un peu le délire. C'est pour ça que je trouve vraiment cette carte beaucoup trop forte. Faut s'entraîner avec, d'accord, parce qu'elle est un peu technique. Mais une fois que tu l'as pris en main, c'est incroyable. Du Migaté encore en face de nous. Et cette fois-ci, il a le tag aussi. Bah du coup, je vais prendre les trois mêmes. Sauf que moi, mon tag, il va t'emmener manger des Chocapic. D'accord, mon tag à moi, tu vas voir, c'est... Ça va être au-dessus, monsieur... Ah. Bon, bah voilà. Les Chocapic, ils ont été rapides.
Oh, le skin. Oh, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, bah, moi, je prends les 242 points, les frères. Une team film en face de nous qui est plutôt chouette. Ok, il y a même le tapion, tout ça, donc faudra vraiment faire attention. Bon, on prend les trois mêmes et on y retourne, mais il faut faire attention quand même, parce que, bon, Goku SSJ3 Ryuken, cette étoile, c'est quand même pas mal. Du coup, il a pris le tapion, il prend le Gogeta avec, ouais, bon, bah, ok, donc, c'est normal, mais bon. Faut se mettre en jambes, là. Faut essayer de se mettre en jambes, les gars. Allez, on va se concentrer. Ok. Non. Oh bah lui aussi il est naze. Il est naze au clash, c'est parfait. Ok. Hush. Parfait ça. Alors faut faire attention au tapion parce que quand il meurt avec le heal de garde c'est la merde. Ok. Ok. Hush. Bon timing ça. Oh, oh la tempo de ouf qu'on a mis là. On a bien attendu le pas de côté. Hein. Parfait ça. Ish. Là on a très bien joué. Ah dommage ça tue pas. Dommage que ça tue pas. Parce que là on avait vraiment très bien joué. Oula. Parfait ça aussi. Voilà. Je me pose même pas de questions frère. Allez. Va prendre des cornflex frérot. Ça serait pas mal. Ok, let's go. Un petit peu de confiture à la fraise. Dis-moi que tu comptes pas. C'est bon. Allez, ça dégage. Ça dégage. Parfait, franchement, hey, les animations sont belles. Hein. Les animations sont belles. Ça, c'est vraiment le point fort de Dragon Ball Legends. Hein. La 3D pour un jeu mobile, elle est superbe. Franchement, c'est plaisant, tu vois, de jouer comme ça, c'est plaisant. Allez, let's go. Ah oui, j'avais oublié ça. Bon, ça va, c'est le tag. Tranquille, tranquille, vas-y dégueule, vas-y crache ton vomi, c'est bon, tranquille, allez, fous le camp maintenant, voilà. Ah, il a craché son vomi, je danse beaucoup trop là. Ok. 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 Très bien, donc lui aussi il a fait son main. Je ramène une spé. J'ai voulu faire une one tap. Et malheureusement, je me suis raté. Du coup, j'ai pas pu esquiver. J'ai le seum. Ouh, ah ouais, quand même. Ah ouais, t'es pas très très gentil, toi. Ah ouais, tu... Là, maintenant, c'est toi, tu veux me donner la confiture. Tiens, regarde. Voilà. Voilà. Parfait, ça. Voilà, ça c'est parfait ça. Allez. Hop, bah c'est parfait ça. Voilà. Voilà. Et puis bah le petit LF, laisse-le. Yes. Yes, yes, yes. Et Legendary Finisher. Voilà, ça fait plaisir. Bon bah voilà, connexion instable. Tu peux partir, on s'en fiche maintenant du moment qu'on voit la belle animation. Magnifique, magnifique. Vous voyez un petit peu... La team, comment elle est bien huilée, là. Oh, avec la pose. Incroyable, incroyable. Je kiffe la pose. Franchement, voilà. Du film, l'attaque du dragon. Ça me rappelle ma jeunesse, tout ça. La nostalgie est présente. C'est vraiment incroyable. Encore un Mugaté, le tag, tout ça, ok. Let's go. Alors, il y a un Vegeto Blue Zenkai. Je suis pas vraiment impressionné par ce Vegeto Blue. Pour la simple et bonne raison qu'avec le tag Cyborg, t'es serein. Tu switches sur la C18. Elle t'envoie mes Vegeto Blue à la morgue. Clairement, elle te l'envoie au fin fond des ténèbres. Clairement. Là, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Mais faudrait pas que je prenne le C18 face à son Vegeto Blue. Sinon, il va avoir Bobo. Ok. Ah, forcément. Ok. 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 Si je... Ok. Très bien, je comprends pas trop comment il joue, mais bon, on va essayer de s'y faire. Tu danses. Très bien. Ok, donc là, son tag, là, il me fait mal. Ok, d'accord.
Ok. C'est pas mal là ce qu'il fait là, avec son tag. C'est vraiment pas mal ce qu'il fait avec son tag. Oh, je suis mal, je suis mal. Je pense qu'on va peut-être avoir la défaite de cette vidéo. Hein. On avait que des wins là, mais là, ah ouais, en plus je contre pas. Là c'est chaud. Il a eu Rising Rush hyper rapidement. Ok, je me retrouve en 2v3 avec mes deux autres persos bien amochés. Allez, c'est pas fini, c'est pas fini. Voilà. Il n'y a pas de cover. Parfait ça. Hush. Encore. 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 La strike qui va arriver, voilà. Parfait ça. Ok. Ok. Let's go. Let's go. Fais-lui mal. Fais-lui très mal. Fais-lui très très mal. Oh, il le tue pas, j'ai le seum. Ok, alors attention. Ok, parfait. Hush, en moins. Ouh, j'ai pas le Rising Rush. Hein. Je sais pas pourquoi je l'ai pas, mais je l'ai pas. Trop fort, trop fort. Trop fort le tag, voilà. Voilà le tag, voilà. Voilà. Voilà le tag. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir, mon petit. Oh. Non, mais il s'arrête plus. Mais ça s'arrête plus. Ça s'arrête plus. Ça va one combo. Oh là là. Oh. C'est bon. C'est bon. Je rappelle. Il n'y a pas de cap Z Zenkai sur le tag. I repeat. Il n'y a pas de cap Zenkai. Il est à 6 étoiles. Extraordinaire. On ne pouvait pas mieux finir la vidéo. En plus, son pseudo, c'est I'm back. On en reparle là du comeback que je viens de te faire avec le tag sans Rising Rush. Non, trop fort. Trop fort, les amis. C'est pour ça que je vous le dis. Je pense qu'il s'agit de la carte de la plus forte du jeu actuellement avant la partie 3 de l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends. Voilà, merci à vous pour cette vidéo. Max de pouces bleus en mode gameplay évidemment. On se retrouve demain en live 15h. N'hésitez pas à venir. On pourra peut-être faire des passages en vocal avec des abonnés pour les théories, etc. de ce qui nous attend en Rubin and Stuff. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez des petits pouces bleus, mes chevaliers, pour soutenir la chaîne de Sofiane le Geek.